YouTube est parmi nous. Bonsoir YouTube. Comme tu peux remarquer YouTube, comme je viens de le dire au reste du stream, pour quelques épisodes, tu n'auras pas ma tête. Tout simplement. Donc, ce soir, nous allons continuer la suite de l'histoire. Nous en sommes ici parce que la dernière fois, lors de la dernière session de stream, nous avons fait uniquement du secondaire. Et donc, ce soir, nous allons continuer l'aventure principale. Voilà, sans plus tarder. Et sinon, vous, votre week-end, dites-moi tout. Je suis curieux. Il est censé y avoir quelqu'un avec nous en vocal, mais il se trouve qu'actuellement il est muté. Donc, si jamais il décide de se démuter, voilà. N'est-ce pas, Monster? Oui, excuse-moi, mais je parle à quelqu'un qui est important à ma vie. Autant pour moi, pas de problème, juste... ok, pas de problème. Ça commence par un M. Oui, donc, ta maman, j'imagine. Non. Ah. Bah oui, elle est importante à ma vie, heureusement. Bah encore un, mais... Bah écoute, bonsoir à ta potentielle demoiselle. Voilà. Oui. Bah, je lui reparle, mais... Bah écoute... Donc ouais, des fois il faut savoir, des fois se battre et essayer de... Bien sûr. Bref, je vais pas m'avancer, mais je vais essayer de... Eh ben, bon courage à toi et... C'est pas gagné, mais on... c'est pas gagné, mais bon, qui ne tente rien à rien. C'est jamais gagné. C'est ça les lois de l'amour, c'est jamais gagné. Tu as des crédits à parier ? Bon courage à toi en tout cas. Merci. On est si près du but. On fait ce qu'on peut. J'ai hâte de voir bon courage, hein. Moi aussi, mais va pour fonder une école de force à toi et courage de la part de Toka. C'est gentil. Merci Toka, merci les gars d'être là. Bah, y'a pas de problème, c'est normal. Comment vas-tu, mon frérot Toka d'ailleurs? J'ai la manette qui commence à faire des trucs chelous à cause des cancel dash, c'est merveilleux. T'as un force à toi de la part de ma madame aussi. Merci à ta madame. Je tiens tout de même à signaler que ce vaisseau n'est absolument pas adapté à ce hangar. Pour rappel, il glitche dans le fond. Observez, observez, vous êtes prêts? Tada! Voilà. Ça, c'est pas adapté. À aucun moment, regardez. Regardez la roche par rapport au machin. Non mais sans déconner. Faudrait qu'on trouve la tenue de Jedi, même si j'aime beaucoup cette tenue. C'est parti. Maître Cordova. Dagan Gera avait le dernier compas, mais il est... endommagé. On peut pas dire qu'il l'ait donné de bon cœur. Ceci est réparable. Je m'y mets tout de suite. BD. Laissons Maître Cordova se concentrer. Je connais un endroit sympa. Bien. Merci. Ah, vraiment marrant. Bon,
C'est parti. Deuxième tournée. Alors, c'est comment? C'est fort. C'est très sucré. Tu finiras par t'habituer. Dites, serré. Venez avec nous sur Tanalore. C'est le refuge idéal pour les archives et le passage. Je ne sais pas ce que le futur nous réserve. Mais on peut l'affronter ensemble. Ouais. C'est une nouvelle voie pour nous tous. Cal, Maître Tapal serait fier du Jedi que tu es devenu. J'ai eu un bon maître. Écoutez-moi. Le passage a trouvé un nouveau foyer. À Tanalore. Attends une minute, chérie. Ça veut dire que tu viens avec nous? Oui, Gris. Je vais même commencer à préparer les archives pour leur transport. Il se fait tard, je vais t'accompagner. Dites donc, vous savez où il est, le Mantis? Cet endroit est terrifiant la nuit. Je vais venir avec toi. Oh, super. Mais pas de tour flippant, hein, d'accord? Et chérie, les Anachorètes viennent vraiment avec nous? Bien sûr, oui. Oh, la famille s'agrandit de toute une bande d'oncles et de tantes flippants. On a réussi. Ouais. Le compas sera bientôt comme neuf. On dirait que t'as la tête ailleurs. Tu me connais trop bien, Ferrailleur. Je pensais à Kata, c'est tout. Je sais qu'on s'occupe bien d'elle, mais... c'est toujours compliqué quand je reviens. Quand elle verra ce que t'as fait pour elle, elle comprendra. Ouais, j'espère. Je me dis qu'on devrait peut-être aller d'abord sur Tanalore, histoire d'être sûr que c'est sans danger pour les autres. Plus vite le passage s'installera là-bas, mieux ce sera. Il faut toujours avoir un coup d'avance sur l'Empire. Ouais. Eh. Demain, on aura un nouveau foyer. J'y serais jamais arrivé sans toi, Baud. Merci, mon frère. Ouais. Et il faut que j'aille enregistrer une histoire pour Kata. Passez une bonne nuit. Tu l'as mérité. Jolie vue, hein. La nuit, le désert s'étend à l'infini. Il y a de la beauté dans le vide. Tu parles comme une Jedi. Il pouvait pas se tromper sur tout. Non, pas tout. Écoute... l'ordre n'est plus. Je dois tourner la page. Je sais ce que je veux maintenant. T'en as mis du temps. Oh là là, le petit bisou. Alors le micro lag là, j'ai pas trop apprécié hein.
avait rien ici. Ah, il y avait un truc. À moi. Nice. J'accepte. C'est juste des trucs, ok. Y'a rien à cet étage, toi, non, ça? Well, là. Ça avance? Voyez par vous-même. Maître Cordova, vous avez réussi. Les impériaux arrivent de tous les côtés. Ils nous ont trouvés. Évacuez les vôtres. Je vais nous faire gagner du temps. Bode ? Je pouvais pas faire autrement, Cal. Mais... Mon enfant... Vous n'aviez pas à faire ça. Non ! Maître Cordova ! Il est mort ! Bode, le compas, rattrape-le ! Allez ! Bode ! Ça. Oh le bug. Il y a l'autre qui s'est affiché, MDR. Ces marcheurs se dirigent vers les archives. Oh, violence. Quel méga chien de la casse. Gardez les TP, ouais, chaud. Ensemble.
tout ça pour que tu le donnes à l'Empire maintenant? Non, je ne le donnerai pas à l'Empire. Tu as tué Maître Cordova! Cal, tu n'as pas le temps pour ce combat. Quelque chose d'horrible va arriver aux archives. Écoute ton instinct. Tu sais que j'ai raison. Qu'est-ce que t'as fait? Si tu veux mettre ta famille à l'abri, fais-les sortir de là. Maintenant. Qu'est-ce que t'as fait? C'est impossible. Tu n'es pas le seul à avoir survécu. Oh, je peux pas me heal? Ah ouais. Requitte. Serré. Enfin, j'aurais tellement pu le gagner si j'avais été meilleur le combat. Ouais, je l'ai eu fait aussi juste avant. Fallait que je gagne le combat. D'accord, j'ai juste été mauvais en fait. Nice. Bon, et bien on va se concentrer puis on va lui rouler dessus. Ah non, d'accord, j'ai rien dit. Junda. Protégeons notre foyer. Défendez les archives. Pour laisser aux autres le temps d'évacuer les lieux. Ça ne fera pas.
vas bien? Oui, mais l'Empire attaque l'entrée principale. Je connais un raccourci. Recule. Nous devons tenir le hangar jusqu'à ce que tout le monde ait été évacué. Pourquoi est-ce que les défenses de la base ne sont pas actives? Quelque chose ne va pas. N'essaie pas de s'enfuir. Contenez la colère de vos familles. Allons-y, finissons-en. Est-ce que tu as vu Cal? Non. Mais BD était avec le Mantis. Ils évacuent un maximum de gens. Là-bas, les marcheurs. Il ne faut pas qu'ils franchissent l'entrée principale. Y'a rien. Encore des infertés au droit du vent. On va les exterminer. On monte. Il faut arrêter les marcheurs. Tiens, regardez. En avant, on va rapprocher. On doit détruire ces marcheurs. Mais comment? Ah. D'accord, non, non. Vous avez attiré son attention. Il y a d'autres munitions au niveau intermédiaire. Très bien, on va en avoir besoin. Manqué. Okay.
Égalé, hein. Tellement de morts. Il y en aura encore plus si nous ne protégeons pas le hangar. Cordova. Il aurait voulu qu'on sauve tout ce qu'on peut des archives. Et les codes de conduite. Ils ne doivent jamais tomber entre les mains de l'Empire. Jamais. Ils ouvrent la porte. Alors, on les arrêtera. Encore des impériaux droit devant. Je ne peux pas continuer le combat. Dernière chance de prendre. On va jouer au corps à corps. D'accord. Et maintenant, on descend au hangar. Je suis content de vous voir. Merci pour ton aide. Des nouvelles de Cal? Rien pour le moment. Je suis sûr qu'il va bien. Il a dû désactiver son communicateur. Serré, c'est quoi le plan? On s'échappe avant que le gros de leur force arrive. Puis on se retrouve au point de rendez-vous. Mais d'abord, je dois retourner aux archives. Les codes de contact du passage. Je viens avec vous. Non. J'ai besoin que tu restes ici pour protéger le Mantis. BD, va avec elle. Laisse tourner le moteur, Chris. Ce ne sera pas lent. Hé, chérie. Reviens vite. Je crois en toi. Merci, Chris. Oh. Aïe.
am a Jedi. J'espère que Cal va bien, mais il faut se dépêcher. On a encore le temps d'évacuer les derniers anachorètes et de sauver ce qu'on peut des archives. BD1, rapporte ça au Mantis. On se retrouve au point de rendez-vous. Vas-y. Maintenant. Falloir être concentré, les gars, pour le combat. Ça faisait bien longtemps. J'espérais que tu t'étais noyé sur Nour après qu'on a fait exploser ta base sous-marine. Il est naïf de penser que tes actions ont eu une quelconque conséquence. La forteresse est toujours là. L'Inquisitorius continue son œuvre. Et je suis venu pour toi. Je t'attendais. Rassembler les vestiges de la tradition de Jedi. Non. J'ai seulement cessé d'avoir peur. Quelle naïveté. Normalement c'est bon, il y a le son, non? Non, c'est bon, c'est revenu. Il y a le son, il y a tout? C'est bon, il y a tout. Oui, oui. Ok, nickel.
Inutile de fuir. Oh. Genre ça one shot cette blague. Oh, j'avais fait tout le fight, il a fallu que je me mange ça maintenant cette blague. J'aurais dû l'esquiver je pense. Fight versus Vador. T'es sérieux là? Non mais bien sûr. Non j'étais grand mort aussi fils de pute. Devient beaucoup plus agressif. Arrête! Ah ouais, non mais... Arrête ça! Bah ouais... Oh, je l'ai esquivé. Tu as gagné. Arrête. Il faut recommencer le fight depuis le début, c'est abusé, il n'y a pas un checkpoint, il n'y a rien pendant le fight, c'est fada. Minutes de record déjà. Bah écoutez, YouTube, c'est là qu'on se laisse. On se retrouve au prochain épisode en espérant qu'on arrive à le vaincre. Ciao tout le monde.